and welcome to Short Stories in French by High Frequency French. To download the transcript to this episode, head to patreon.com slash French by HFF. Read along whilst you listen and see the English translation. There are also questionnaires and bonus learning materials. Let's begin! In this episode, I'll be telling the story twice. Let's see how much more you understand the second time around. 1. Lou's French adventure, lost baggage. L'aventure française de Lou, bagage perdu. Lou avait planifié son voyage en train pour rendre visite à sa grand-mère. Depuis des semaines, elle était impatiente de passer du temps avec sa grand-mère. Elle avait soigneusement préparé sa valise avec tout ce dont elle aurait besoin pour son séjour, des vêtements et des cadeaux pour sa grand-mère. Le jour de son départ, Lou se leva tôt le matin. Elle vérifia une dernière fois son sac, s'assurant de ne rien avoir oublié. Puis, elle prit un petit déjeuner rapide avant de se diriger vers la gare. À la gare, il y avait des voyageurs qui se pressaient pour attraper leur train. Il y avait aussi des familles disant au revoir à leurs proches. Lou se dirigea vers le guichet pour acheter son billet. Ensuite, elle se dirigea vers le quai où son train était déjà là. Quand elle monta à bord, Lou était contente. Elle avait hâte de commencer son voyage, de s'éloigner de la ville, pour retrouver la tranquillité de la campagne, même si ce n'était que pour quelques jours. Le train démarra enfin et Lou s'installa confortablement dans son siège. Elle regardait par la fenêtre les paysages défilaient. Quand le train arriva à la station de loup, elle se leva et descendit du train. La gare était calme, presque déserte. Loup regarda autour d'elle, essayant de se repérer. Quand soudain elle réalisa qu'elle avait oublié sa valise à bord du train. Loup se précipita vers la porte du train, mais il était trop tard. Le train s'éloigna lentement de la gare, emportant avec lui la valise de Lou et toutes ses affaires. Paniquée, Lou se tourna vers un contrôleur. Elle lui expliqua la situation. Le contrôleur dit à Lou d'aller à l'accueil pour remplir un formulaire de déclaration de perte. Lou était triste. Toutes ses affaires, ses vêtements, ses cadeaux pour sa grand-mère, tout avait disparu en un instant. Elle se sentait complètement démunie. Déçu, Lou se rendit à l'accueil et remplit un formulaire de déclaration de perte, donnant autant de détails que possible sur sa valise et son contenu. Elle laissa son numéro de téléphone priant pour que sa valise soit retrouvée et qu'elle puisse récupérer ses affaires. Lou alla ensuite chez sa grand-mère sans valise. Elle se dit qu'elle pourrait toujours acheter de nouveaux vêtements et trouver de nouveaux cadeaux pour sa grand-mère. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était mieux que rien. Ainsi, Lou prit un deuxième train pour le village de sa grand-mère. Le voyage se déroula bien et bientôt, Lou arriva à destination. Elle descendit du train. Sa grand-mère l'attendait sur le quai, souriante. Elle prit Lou dans ses bras, lui souhaitant la bienvenue. Et ensemble, elles se dirigèrent vers la maison. Lou Passa de superbes vacances avec sa grand-mère malgré l'absence de sa valise. Elles cuisinèrent ensemble, se promenèrent dans les champs et partagèrent d'innombrables moments de complicité. Chaque jour, loup se sentait de plus en plus reconnaissante d'avoir sa grand-mère à ses côtés. Mais, le dernier jour de son séjour, le téléphone de la maison sonna. C'était la gare. Lou se leva précipitamment pour répondre. Quelqu'un lui dit qu'ils avaient retrouvé sa valise. Lou était soulagée. Elle remercia vivement la personne au téléphone, puis se tourna vers sa grand-mère pour partager la bonne nouvelle. Ensemble, elles se mirent en route vers la gare pour aller chercher la valise de Lou. Arrivée à la gare, Lou fut accueillie par un agent qui lui rendit sa valise. Elle l'ouvrit avec impatience, vérifiant que tout était intact à l'intérieur. Rien n'avait été perdu. Et ainsi, Lou conclut son séjour dans le village de sa grand-mère. Une aventure remplie de souvenirs et de surprise. Second round. Lou's French Adventure Lost Baggage. L'aventure Française de Lou Bagage perdu. Lou avait planifié son voyage en train pour rendre visite à sa grand-mère. Depuis des semaines, elle était impatiente de passer du temps avec sa grand-mère. Elle avait soigneusement préparé sa valise avec tout ce dont elle aurait besoin pour son séjour, des vêtements et des cadeaux pour sa grand-mère. Le jour de son départ, Lou se leva tôt le matin. Elle vérifia une dernière fois son sac, s'assurant de ne rien avoir oublié. Puis, elle prit un petit déjeuner rapide avant de se diriger vers la gare. À la gare, il y avait des voyageurs qui se pressaient pour attraper leur train. Il y avait aussi des familles disant au revoir à leurs proches. Lou se dirigea vers le guichet pour acheter son billet. Ensuite, elle se dirigea vers le quai où son train était déjà là. Quand elle monta à bord, Lou était contente. Elle avait hâte de commencer son voyage, de s'éloigner de la ville, pour retrouver la tranquillité de la campagne, même si ce n'était que pour quelques jours. Le train démarra enfin et Lou s'installa confortablement dans son siège. Elle regardait par la fenêtre les paysages défilaient. Quand le train arriva à la station de loup, elle se leva et descendit du train. La gare était calme, presque déserte. Loup regarda autour d'elle, essayant de se repérer. Quand soudain, elle réalisa qu'elle avait oublié sa valise à bord du train. Lou se précipita vers la porte du train, mais il était trop tard. Le train s'éloigna lentement de la gare, emportant avec lui la valise de Lou et toutes ses affaires. Paniquée, Lou se tourna vers un contrôleur. Elle lui expliqua la situation. Le contrôleur dit à Lou d'aller à l'accueil pour remplir un formulaire de déclaration de perte. Lou était triste. Toutes ses affaires, ses vêtements, ses cadeaux pour sa grand-mère, tout avait disparu en un instant. Elle se sentait complètement démunie. Déçu, Lou se rendit à l'accueil et remplit un formulaire de déclaration de perte, donnant autant de détails que possible sur sa valise et son contenu. Elle laissa son numéro de téléphone priant pour que sa valise soit retrouvée et qu'elle puisse récupérer ses affaires. Lou alla ensuite chez sa grand-mère, sans valise. Elle se dit qu'elle pourrait toujours acheter de nouveaux vêtements et trouver de nouveaux cadeaux pour sa grand-mère. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était mieux que rien. Ainsi, Lou prit un deuxième train pour le village de sa grand-mère. Le voyage se déroula bien et bientôt, Lou arriva à destination. Elle descendit du train. Sa grand-mère l'attendait sur le quai, souriante. Elle prit Lou dans ses bras, lui souhaitant la bienvenue. Et ensemble, elles se dirigèrent vers la maison. Lou Passa de superbes vacances avec sa grand-mère malgré l'absence de sa valise. Elles cuisinèrent ensemble, se promenèrent dans les champs et partagèrent d'innombrables moments de complicité. Chaque jour, loup se sentait de plus en plus reconnaissante d'avoir sa grand-mère à ses côtés. Mais, le dernier jour de son séjour, le téléphone de la maison sonna. C'était la gare. Lou se leva précipitamment pour répondre. Quelqu'un lui dit qu'ils avaient retrouvé sa valise. Lou était soulagée. Elle remercia vivement la personne au téléphone, puis se tourna vers sa grand-mère pour partager la bonne nouvelle. Ensemble, elles se mirent en route vers la gare pour aller chercher la valise de Lou. Arrivée à la gare, Lou fut accueillie par un agent qui lui rendit sa valise. Elle l'ouvrit avec impatience, vérifiant que tout était intact à l'intérieur. Rien n'avait été perdu. Et ainsi, Lou conclut son séjour dans le village de sa grand-mère. Une aventure remplie de souvenirs et deux surprises. Thanks for listening, and if you enjoyed it, please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir.